Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une mazurka que jouait monsieur Fernand Papin. Alors Fernand Papin, il jouait de l'accordéon diatonique et il était originaire de Lemay en Eure-et-Loir, c'est pas très loin de Châteaudun. Alors c'est parti pour la mazurka à Fernand Papin. On aboute là. Alors ça, c'est un morceau que j'ai trouvé dans un CD qui est joint à un bouquin qui est vachement sympa. Ça s'appelle Trésor de la musique traditionnelle dans le Perche. Ça a été écrit par Jean-François Leroux. Et c'est le seul bouquin avec des collectages qui a été édité pour la musique traditionnelle dans le Perche. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous le procurer. Et en attendant la fin du confinement, je vous dis à bientôt. Allez, salut!